Attends, attends. Non, il y a un truc qui va pas là. C'est chiant. Chiant? Comment ça, chiant? Ça vient tout juste de commencer. Le noir et blanc, ça va pas. Ajoute de la couleur. Par contre, mets de la musique quand même. Le temps passe. Ouais, le temps passe. Aussi vite que les 20 dernières années. Rien que là, je me promène déjà depuis 20 minutes. Quelle perte de temps. Mais quoi faire d'autre? Rattraper le temps perdu? Impossible. Rattraper mon ex-copine? Pas mieux. Passer du temps avec mes enfants? Si seulement j'en avais. Il me faudrait quelque chose de nouveau, un coup du sort, un miracle. Mais bon, ça n'arrive qu'aux autres. Je ne suis pas les autres. Tiens, c'est quoi ça? Un amour perdu. Une invitation à dîner? Qu'est-ce que ça fait par terre? On s'emmerde là! Ah bon? Faut rajouter de l'action, un truc un peu surprenant quoi. Ouais, ok, si vous voulez. Passer du temps avec mes enfants? Si seulement j'en avais. Il me faudrait quelque chose de nouveau, un coup du sort, un miracle. Mais bon, ça n'arrive qu'aux autres. Je ne suis pas les autres. Ah! Tiens, c'est quoi ça? Eh ben voilà, ça claque. Ok pour l'intro. Allez, on passe à la scène suivante. J'ai une conf call à 16 p.m. avec les States. Ok, bah dans ce cas, on va passer à la scène du dîner alors. Attends, ils sont en train de bouffer là. Parce que j'ai réussi à négocier un plan pas dégueu du tout. Insérer un dialogue sur sa vie. Insérer une réponse bateau? Attends, ils disent vraiment ça? Oui, non, en fait, là, j'ai pas encore fini d'écrire cette partie. Attends, je sais. Voulez-vous de l'eau minérale suprême plus avec votre cassoulet? L'eau minérale suprême plus est très bonne pour votre digestion. Sans colorant, sans conservateur, sans sucre ajouté, sans OGM, sans gluten. L'eau minérale suprême plus, c'est tellement désaltérant. Oui, j'adore l'eau minérale suprême plus, c'est tellement désaltérant. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je me suis fait la réflexion. Une femme ordinaire, c'est un peu ennuyeux. On va dire c'est une espionne. Une espionne? Pourquoi? Parce que c'est cool une espionne. Dites-moi. Le chien passe et la caravane aboie. Mais non, c'est l'inverse, puisqu'une caravane, ça n'aboie pas. Non, mais oui. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que le thé glacé, c'est bien meilleur que le thé brûlant, pas vrai? Non. En fait, le proverbe, c'est le chien aboie et la caravane passe. Là où vous êtes emmêlés les lacets, les pinceaux, ça ne veut rien dire. Désolée. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous pensez pas que ça devient un peu difficile à suivre, là? J'y comprends rien et que je suis censé avoir écrit le film. Comment ça? Bah, elle raconte quoi, là? Ah, ça, c'est les noms de code. Comme ça, elle sait qu'elle s'adresse à un autre espion. Ça crée de la tension, du mystère. Ouais, ok, d'accord, je vois le genre. Et celle qui vient d'arriver, là, c'est qui? Ça, c'est la nana qui vient t'annoncer la mauvaise nouvelle. Tu vois, comme ça, paf, élément perturbateur. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on serait mieux au restaurant. Non, mais pas nous. Les personnages. Et pourquoi pas une cuisine? Mais pour le style, comme ça, ça claque. Cindy, désolée, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, par contre, il faudrait peut-être remplacer la nana par une serveuse, histoire que ce soit plus cohérent. Vous parlez de la nana que vous venez d'introduire et qui n'était pas prévue à la base? Yes. Cindy, désolée, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous êtes sûr qu'on prend elle comme actrice? C'est ma nièce, elle veut devenir actrice. Bon, ok, on est encore à ses débuts. Hein. C'est une bleue. Votre nièce, mais elle est un peu... Oui, bon, bah là, elle s'échauffe.
Kimberly Robertson, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Il apparaît qu'il y ait eu un malentendu dans la communication du message. Hein? Tu veux dire que c'est pas le bon destinataire? Précisément. Et vous n'êtes pas la petite hirondelle? Hein? Je vois toujours pas pourquoi vous vouliez rajouter des espions. Je voulais faire un film d'auteur, moi, à la base. Mais parce qu'un film d'action avec des espions, t'es d'accord avec moi, ça ramène plus de monde en salle qu'un film d'action sans espions. Mais c'est pas censé être un film d'action! Mais t'inquiète, relax, j'ai pensé à tout. Ah bon? Mais bien sûr, hein. Y a qu'à rattraper la fille. C'est bien comme ça que ça se passe dans tous les films d'auteur, non? Bon, je suis désolée, mais il faut que j'aille. Quoi? Déjà? Mais attendez, on a à peine terminé notre bouteille d'eau minérale suprême plus. Attendez! C'est dit! Arrêtez de me suivre! Attends. La délégation de la sécurité routière nous file un peu de thunes. Ouais, donc il faudra attendre que le petit bonhomme passe au vert avant qu'il traverse. Hein, sinon, on n'aura pas le chèque. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre, espèce de cinglé. Moi, je vais me mettre à me suivre ta mère quand elle sort du boulot pour voir ce que ça fait. Attends, il y a un truc qui va pas, là. Quoi? Me dites pas que vous êtes pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Si, je suis d'accord. Je me suis juste dit qu'il faudrait rajouter des cow-boys. Bah, des cow-boys, bien sûr. Donc, pourquoi pas des dinosaures, tant vous y êtes? Eh, hey, mais tu sais que c'est pas con, ça? Et là, le scénariste, il rentre dans notre salle et nous interrompt... Franchement, les mecs, j'en peux plus du producteur, là. Vous pourriez pas faire quelque chose? Comment ça? Bah, il arrête pas de changer tout ce que j'ai écrit, c'est juste insupportable. Vous pourriez pas le supprimer ou un truc dans le genre? C'est un peu notre source d'humour pour le court-métrage, donc... Ouais, on peut pas le supprimer comme ça, il faudrait mettre autre chose, sinon ça marche plus. Franchement, au point où j'en suis, je prends n'importe quoi. Bon, on va voir ce qu'on peut faire sur le producteur, alors. Merci. Du coup... Quelqu'un a une idée? Bon, je repars à zéro. C'est pas très dynamique tout ça. Vous êtes qui? Ben, je suis le showrunner. On m'a envoyé pour superviser la série. Mais c'est un film pour le cinéma ici, c'est pas une série. Comment ça pour le cinéma? Mais tout est fermé avec le virus. Vous n'êtes pas au courant? Donc à la place, on va faire une série à regarder en streaming. C'est une blague. Pas du tout. Puis alors, permettez-moi de vous dire qu'il y a quelques bricoles à changer. Hein, parce que tout ça, c'est pas très potable pour une série. Thank you.